Michael Tapiro et je suis le fondateur de la première école de management du sport qui s'appelle Sports Management School, SMS. Voilà, ça a été construit il y a 13 ans et aujourd'hui on est présent à Paris, Lausanne, Barcelone, Rabat et Le Caire pour parler de l'Afrique. Voilà, notre volonté évidemment c'est d'être très présent dans le monde francophone du sport et du sport business et surtout bien comprendre que le monde du sport, l'industrie du sport a un potentiel phénoménal, que ce potentiel-là doit à tout prix s'exprimer, notamment en Afrique subsaharienne. Et c'est la raison pour laquelle je suis ravi d'être présent aujourd'hui à cette conférence et à ces échanges. Bruno Lalland, je suis le président de Women's Sport Africa. C'est un média qui est dédié au sport et aux femmes en Afrique et je suis patron d'un grand groupe média qui s'appelle Sport Business. Et alors, j'ai eu la chance aujourd'hui d'intervenir pour faire un keynote sur l'industrie du sport avec trois convictions que j'ai partagées. La première, le sport business explose en Afrique. La seconde, la francophonie sportive est une chance et une force extraordinaire pour le continent africain. Et puis enfin la troisième, les femmes sont l'avenir du sport. On a parlé d'industrie aujourd'hui. Le sport, c'est un immense foyer d'emploi pour les jeunes demain en Afrique. Et toutes les interventions qu'on a pu entendre, elles étaient fantastiques, tout simplement parce qu'on a tous mis notre petite pierre, mais pas des pierres pour construire des murs, des pierres pour construire des ponts entre l'Afrique, entre l'Europe, entre la France, parce que le sport, c'est bon, c'est la vie, le sport, ça génère des emplois, le sport et la mixité, ça favorise la croissance et ça apporte de la paix ensemble. Daniel Zielinski, je suis délégué à la francophonie sportive en France et à la valorisation de la langue française dans le sport. Le sport devient une vraie industrie et l'Afrique francophone veut avoir le maximum d'investissements et de grands événements sportifs. Et donc je suis là pour accompagner ce mouvement, faire croiser les compétences, parce qu'il pour organiser un grand événement sportif international, il faut vraiment des compétences en management, des compétences en management médical, de restauration, d'organisation, de création d'infrastructures. Bref, il faut des compétences et c'est avec ces compétences qu'il y aura de plus en plus de grands événements sportifs et un grand développement sportif en Afrique. Et en tout cas, on y compte beaucoup. Benoît Meyer, je suis partenaire du média Women's Sport Africa, présidé par Bruno Lalande. Je pense que l'Afrique a besoin de cette industrie, a besoin de produire, mais aussi de développer et de transformer la matière première. Et je pense que c'est l'avenir de l'Afrique, l'industrialisation également. Et aujourd'hui, il était important, notamment avec les personnes auprès des instances internationales ou simplement auprès des comités olympiques, de pouvoir partager. Sachant que voilà, notre volonté, c'est de développer cette francophonie autour du sport business en Afrique subsaharienne. C'est beaucoup de partage, c'est beaucoup d'intelligence collective. C'est le secteur privé, c'est le secteur public, c'est la diplomatie. C'est en fait tous les ingrédients pour qu'en fait l'industrie puisse avancer plus haut, plus vite, plus fort. Il y a déjà pas mal de monde. Pour une première, c'est un gros succès. Et la salle Gaveau, la partie de la salle Gaveau est pleine. Et je pense qu'au fur et à mesure, il faudra voir plus grand. Et peut-être inviter surtout des grands capitaines d'industrie africains, aussi bien francophones, mais lusophones et aussi anglophones. La francophonie va passer de 321 millions de locuteurs actuellement à 650 millions de locuteurs en 2050. C'est grâce à la démographie africaine et qui dit 650 millions de personnes qui parlent français, ça veut dire aussi de très nombreux supporters et de très nombreux sportifs. Donc il va falloir de vraies filières industrielles en Afrique. L'industrie du sport doit s'opérer, que ce soit sur la fabrication, que ce soit sur les éléments tertiaires d'organisation, d'événementiel, etc. Il doit y avoir une valeur ajoutée en Afrique dans le sport business. La matière première, d'abord et avant tout, ce sont les hommes et les femmes. Et si on était capable de pouvoir former l'élite du sport business directement en Afrique pour que ça puisse s'essaimer dans le monde entier, là on aura atteint notre objectif. Le message particulier pour moi, il est éloquent, c'est la marraine du salon. Son Excellence du Gabon, qui a viscéralement en elle ancré la thématique du genre. C'est l'ODD numéro 5 aux Nations Unies, parce que l'alliance entre les hommes et les femmes, égalité, encore une fois, ça permet aussi de donner davantage de croissance.
On a parlé beaucoup de filières industrielles, on a parlé de nouvelles technologies, de l'IA, c'est super, ça c'est une vraie nouvelle filière à développer. On ne parle pas assez de cette filière du sport, et donc prenez en compte l'industrie du sport.